して人の影になるのは。ありがとう。Yeah, mais je crois qu'on va commencer à l'heure, dis donc. Normalement, j'ai tout. Il se trouve que j'ai tout, hein? Ouais, on est prêt. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est prêt. Je vais virer tous les trucs compromettants. Oui. Peut-être pas. Juste ça, on va le fermer. Bon, allez, 21h, c'est parti. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 septembre, comme ça doit être indiqué, oui, sur l'horloge. Quelque part, on voit que j'ai jamais fait, hein. Là, ici, voilà. Vendredi 13, donc j'espère que vous avez joué au loto, hein, évidemment. Non. Pas vrai, pas du tout. Faites ce que vous voulez. Voilà. Tant que vous ne foutez pas dans la merde avec ça. Donc nous revoilà de retour après 2 semaines, puisqu'évidemment le week-end dernier c'était The Event. Et en plus j'étais même pas chez moi, donc comme ça je risquais pas de pouvoir faire quoi que ce soit. D'ailleurs ça m'a foutu le sommeil là en vrac pendant 1 semaine. C'est un bonheur.
Donc, alors comme je ne l'ai pas indiqué sur Twitter, mais qu'en fait au départ, parce que j'avais oublié tout simplement ce que je voulais faire au départ, c'est pas grave, enfin il y a quand même un petit bout. Ce soir, on va parler, on va faire la première étape de notre voyage au pays du Chaos Engineering, avec la première étape qui est de se créer d'abord un environnement qu'on va attaquer tout simplement, et pour essayer de voir comment ensuite travailler ce truc là au corps. Je l'avais dit, c'était en plusieurs étapes. Donc la première, c'est de faire cette plateforme. Ensuite, c'est de s'occuper de pouvoir la surveiller en temps réel. J'envisageais, entre autres, pas forcément que ça, mais de passer par OpenTelemetry, que j'ai commencé en plus moi à utiliser au travail, même si c'est un peu différent. J'expliquerai plus tard pourquoi. On aura aussi une étape où on va faire... De toute façon, je peux vous le montrer, hein, parce que je l'avais écrit à l'époque. Voilà, et... comme je disais, ce soir, on est là. Donc, comme je disais, l'idée, ça va être de se fabriquer un frontal web à base de Ghost. Je voulais tester ce CMS. Pourquoi ? Pour ceux qui me connaissent beaucoup, parce que j'avais pas envie de me faire chier avec une appli PHP, comme on va déployer ça dans du Kubernetes, je vous le dis tout de suite. J'avais pas envie de m'emmerder, parce que les applis PHP dans Kubernetes, c'est vraiment de la merde. C'est bon, tiens. Je suis vraiment pas fan. J'en ai bouffé au boulot pendant 4 ans, enfin 3 ans, donc ça va. Donc l'idée, voilà, c'était de tester autre chose, un peu différent, qui aura ses composants, on reviendra dessus. Donc comme je disais, il y a une partie monitoring temps réel, donc il faudra qu'on puisse surveiller l'application une fois qu'elle est déployée. Et quand je mets monitoring temps réel, bon, l'OpenTelemetry Operator, ce sera peut-être un peu trop gros. Mais bon, ça sera intéressant à voir, je pense. Sinon, on restera sur un basique Prometheus classique que j'ai déjà déployé par le passé, donc on redéploiera. Un outil de TMC. TMC, c'est, on va l'écrire plus en entier, test de montée en charge. Alors, même si ce ne sera pas forcément pour faire de la montée en charge dure, l'idée, ça va être d'avoir un outil qui va nous générer de l'activité sur la plateforme, de manière plus ou moins reproductible et automatisée, comme ça, on n'a pas à s'emmerder. J'ai déjà une petite idée avec ça, parce que j'ai testé un outil au boulot, donc on se fera un épisode là-dessus, sur un outil qui s'appelle Gatling. Et on s'accrochera enfin, tout à la fin, avec le Chaos Testing, où on verra un de ces deux outils, je ne sais pas encore lequel pour l'instant. Mais en tout cas, il y a deux candidats qui sont Chaos Mesh et Litmus Chaos qui sont faits pour faire ça dans Kubernetes, donc c'est le gros truc. Et donc l'épisode 1 ce soir, ça va être de réussir à faire ça. On avancera peut-être un petit peu par la suite si ça va vraiment très vite. Comme d'habitude, hein, normalement je me donne au moins 2 heures. Je sais que la dernière fois, on avait quasiment... Combien on avait fait, je sais plus. Beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Donc, l'idée. L'idée de cette plateforme, ça va être pas de se limiter à juste le frontal web et la base de données, mais aussi de se rajouter une couche de cache. Pourquoi ? L'idée étant d'avoir quelque chose de distribué, et donc... Ah, la base de données, déjà, ça se distribue pas. Simplement. En tout cas, pas sur une techno type MariaDB, et même encore Postgre, pour l'instant, c'est pas... Voilà. C'est pas encore au programme d'avoir quelque chose de purement distribué. Mais, en utilisant un système de cache comme... alors, j'avais mis Redis, et en fait, l'idée, ça va être d'utiliser Valky. Qui, pour ceux qui n'ont pas suivi un des dramas de cet été, est un fork de Redis
suite au choix de la société de changer la licence pour ne plus le rendre open source, en fait, voilà, techniquement parlant. Ça devient de fait, même si la source est encore disponible, ça devient de fait un logiciel proprio. En tout cas, c'est beaucoup plus délicat. Valky est un fork qui a très très vite gagné. Et donc on a déjà des images Docker officielles, voilà, on s'emmerde pas. Et on a de quoi normalement configurer ça. Bon, bref. Donc voilà. Alors, Ghost, qu'est-ce que c'est? Ghost, c'est un CMS écrit en JavaScript. Qui a été particulièrement. Qui a été particulièrement. Qui est toujours actif d'ailleurs. Hein, et qui date depuis. Je sais pas, à Ghost, ça fait. Est-ce qu'on aurait un truc. Voilà, Ghost, voilà. On a le dépôt. Il y a 10 000 forks, d'accord. 1658 tags, 188 branches, à vos souhaits. 39 000 commits. Alors juste pour la blague, est-ce qu'on a le... Bah non, hein, ce serait bien, ce serait trop compliqué de remonter dès le départ à l'origine. Enfin bon. Quoique peut-être via les releases. Il y a les releases pour la blague. Allez, page 81. 2013, donc ça a 11 ans. Voilà. Ça a 11 ans. D'ailleurs, manifestement, à l'époque, ça ne s'appelait pas Ghost. Donc, maintenant qu'on a ça... Au passage, j'ai pas remercié les derniers followers. Alors, si je crois, il me semble que j'avais remercié Adrien, mais j'ai eu Echo29 et Poétane depuis, qui ont activé le follow. Alors, j'étais pas en stream évidemment, mais c'est pas grave. Je les remercie quand même. Alors, du coup, comme on a dit, on va déployer ça dans Kubernetes. Je pense que alors, j'ai dit on va avoir trois composants. On va avoir Ghost, Valky et MariaDB. Là, j'ai mis MariaDB à la mano. Je me tâte à l'inclure. Ah, je sais pas en fait. Non, ça va m'emmerder si je l'inclus. Donc, je vais avoir juste le frontal. Le frontal et le cache et la base de données, on va la créer parce que j'ai déjà MariaDB, il est déjà bien bien tout installé comme il faut avec l'opérateur. Remember, on a un épisode pour ça. Dispo, si j'ai pas fait de conneries, il est encore dispo sur Twitch et aussi sur YouTube. Et donc on va regarder un petit peu bah, la doc, hein, tout simplement, sur comment on installe ça. Alors je vais pas m'emmerder, on va regarder par rapport à Docker. Comment on installe Ghost avec Docker? Qu'est-ce qu'il nous dit? Nia, 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 maintained by people, ok. Donc là on a l'image, ok. Nia, 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 d'accord. Comment utiliser l'image? On rajoute machin, le node env en fonction de l'environnement où on se trouve. Ok, et du coup on a le host IP, d'accord. Donc en fonction de comment on... Alors, ok, donc on a un ghost 2.alpine, pourquoi pas. Ce qui va être intéressant, ça va être de vérifier les architectures.
Parce que remember qu'on déploie ça. Bon bah parfait. Alpine, AMD 64, arme V6, arme V7, arme 8. Donc ça veut dire qu'il propose même encore la possibilité de l'installer sur des Raspberry Pi 1. Ou des trucs de cette taille-là. Ce qui est quand même très honorable, je trouve, pour un logiciel. C'est pas donné à tout le monde de continuer de faire ça. On voit par exemple que le latest d'il y a 6 jours n'est pas disponible pour... comment ? Ah oui, d'accord. Et en fait, on voit que... D'accord. C'est... Tous les 5... Donc Alpine, par exemple... Alpine, apparemment, ils sont encore capables de le faire pour ARM 6, mais... Les tags de base, a priori, eux, par contre, ne sont plus dispo. C'est soit ARM 32 bits... De ARM HF, donc des trucs qu'on a du... Des gros... du... Ça va être du Raspi 2, je crois, ça, pour le coup, ARM V7. C'était ce que j'avais aussi dans mon ancien NAS, rappelez-vous, ce qui me causait beaucoup de problèmes, notamment pour MinIO. Il ne proposait plus d'image officielle en ARM 32 bits. Ah, un peu besoin, voilà. Ensuite, qu'avons-nous donc ? Donc, du coup, nous, ce qu'on va avoir besoin... Donc ça va être cette image-là. Donc ce qu'ils nous disent, hop, c'est que... Bon, j'ai pas besoin du dépôt Git pour l'instant. Tac, 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 et ça utilise un MySQL 8. Alors j'espère qu'on peut utiliser du MariaDB. Normalement, ça devrait pas poser de problème. On a un volume à prendre en compte, qui s'appelle... varlib ghost content. Donc là, ça va être son chemin à lui. D'accord. Si on veut utiliser un database, bon ça c'est du local, ça doit être du SQLite, voilà. D'accord, le SQLite c'est que si on est en mode dev, sinon il faut un MySQL Server required. Okay. Jusque là, moi ça me va. Le truc qui m'emmerde le plus, c'est l'histoire de l'URL. Alors, ce qui est bizarre, c'est que non, là, a priori, on n'en a pas eu besoin. Hein. Du coup, je vais voir si je peux me passer de l'URL en paramètres. Et de garder le port par défaut. On va voir comment il se comporte avec ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? D'accord, j'ai encore d'avoir un glitch au niveau de l'encodage. J'ai l'impression qu'il y a encore... Le PC est encore pas bien ce soir. Décidément. Et du coup, on a aussi... Alors ça me plaît bien. Ça me plaît très bien. Ça me plaît beaucoup parce que ça, c'est le genre de truc sur lequel on peut vraiment se baser pour créer un déploiement, notamment un chart Helm, hein, par exemple. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va pas s'embêter. J'ai envie de me créer mon chart Helm, pour le coup. Ce sera peut-être pas le cas pour intégrer Valky. Peut-être que Valky a déjà un chart Helm communautaire pour le déployer. On verra comment l'intégrer en dépendance de notre chart à nous. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Là, la première étape, ça va être d'avoir un déploiement propre de notre blog, et surtout de faire en sorte qu'il réponde correctement, quel que soit le domaine qu'on aura décidé d'utiliser.
Parce que j'ai pas envie de trop forcer pour l'instant, vu que c'est un truc qui va être plus ou moins jetable, qu'on est amené à faire sauter. Ouais, alors commençons. Alors, vu que c'est un projet spécial Chaos Engineering, on va se créer un dossier. On initialise notre Git. Et je vais nous ouvrir. Tac. Voilà. Une fenêtre dessus. Hop, je zoome. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fini. On n'a même pas encore commencé. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un Helm. Il me semble qu'il y a un truc qui permet de faire un create, je crois. Create a new chart with given name. Voilà. Du coup, on va faire un Helm create. Comment on va l'appeler? Ghost-Chaos. Allez. On a évidemment beaucoup d'originalité. Hein, alors ici, est-ce que j'ai un, je sais pas, un truc project refresh folder, voilà, pour qu'il le voit. Donc on a donc un chart qui s'appelle Ghost Chaos. Pas, ok, pas de problème. Avec une app version. Chart version 0.1, oui, ça de toute façon on s'en bat les couilles. Le Helminior, ça c'est intéressant parce qu'il y a déjà pas mal de conneries dedans. Quand il s'agit de construire le package pour pouvoir le publier, donc ça, ça me va très bien, on n'y touche pas. Le dossier de chart, pour l'instant, on n'a rien besoin de plus. Et du coup, j'ai un template là-dedans. Ok. Avec du helper, on a un helper avec le truc qui fait un nom, le nom complet du chart, machin, etc. Ok, ça, ça m'intéresse, ça me va très bien. De toute façon, à part le déploiement, la seule chose éventuellement qu'on va gérer, qui je crois n'est pas gérée là-dedans, c'est la partie volume. On a plusieurs choses, notre sélecteur, tolération, tout ça, on va pas y toucher, l'autoscaling, on n'y touche pas. Mais je vais le garder pour l'instant l'autoscaling parce qu'on sera peut-être amené dans le futur à le. Comment? À le tester quand on testera le la montée en charge. Pour la blague. Alors là, il y a peu de chances qu'on ait besoin, mais. Putain, les valeurs par défaut, c'est quand même quelque chose. Hein. Oh la vache! Les ressources, on n'en a pas besoin pour l'instant, même si on pourra faire exprès de les limiter, parce que bon, si on veut tester l'autoscaling, il va falloir qu'on réduise très fort le truc. Ingress enabled false. Alors, comme on va utiliser une ingress route, ce truc-là, je vais le modifier, je pense. Le service, il s'appelle... 2368, ça va être le port qu'on va utiliser. Service account create true, annotation. Le nom, on va laisser celui. Le full name override, on n'y touche pas. L'image pool secret, on n'en a pas besoin. Image, repository. Alors, repository. On a dit, on est là. Donc l'image c'est Ghost, tout simplement. Et le tag, j'ai envie d'être un peu, on va dire, restrictif. Donc le tag, on va prendre 5.94. Soit on veut vraiment être au plus près, et dans ce cas-là, je fais 5.94.0-alpine.
Puisque pour le coup, c'est vraiment le... Ah oui, d'accord, on a le lien direct vers le Docker file quand on fait ça. Ah, mais quel enfer, c'est un lien. D'accord, bon. On va le taper. 0-alpine. Voilà, comme ça, on a notre Alpine qui est là. Qu'est-ce qui va nous manquer d'autre, du coup? Alors. On ne va pas toucher aux capabilities, même si techniquement on devrait, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. On va se laisser un peu de largesse pour le fonctionnement, on va pas déconner non plus. Le service account, voilà, par défaut il s'appelle chien. Le include service account name, il est du coup, ça va être dans le helper. On va avoir un truc. Qu'est-ce qui va être? Chart, common label, selector label, service account to use. Voilà. Et donc après, on a le deployment. Alors, le deployment, il nous dit gna gna gna. Si on a l'autoscaling. Non, si l'autoscaling n'est pas activé, on peut mettre le nombre de réplicas. D'ailleurs, le nombre de réplicas, il est où? Réplica count 1. Ah, ok. Voilà. Donc ça ne bouge pas. Ensuite. D'ailleurs, peut-être qu'on peut se permettre de faire ça. Je peux faire ça et du coup je vais mettre le values à côté, comme ça permet de récupérer à chaque fois. Ensuite, les match labels, donc ça c'est les labels. Les labels qui sont définis dans le helper aussi. Ensuite, on a les pods annotations, donc ça c'est là. Donc si on veut mettre des annotations. On verra dans le futur, notamment quand on abordera, si on a, qu'on aborde. Prometheus OpenTelemetry, on en aura potentiellement besoin. Donc ça, ils nous les mettront. Les labels, selector label, donc ça, c'est ceux qui sont là-dedans, donc on les mettra aussi, pas de souci. Image pool secret, n'y en a pas, donc on n'en a pas besoin. Vous voyez, comme le image pool secret est vide là, en fait, à partir du moment où il fait ça, le with, s'il n'y a rien dedans, en fait, il ne met pas le bloc. Il s'emmerde pas. Alors là, c'est très intéressant. Là, c'est surprenant parce que. Si on dit de ne pas le créer, ah, attendez que je regarde un peu le que je re-regarde le helper, j'essaye de comprendre ce qui se passe. D'accord, ok. Bon. Ok. Alors oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, quand on crée un namespace, il va nous créer un service account qui s'appelle default dedans. Le service account, il a quasiment aucun droit, mais le fait est qu'en fait, sur le papier, quand on déploie un pod dans Kubernetes, il est obligé d'avoir une identité. Identité qui, à laquelle on peut rattacher un rôle. Cluster role, voilà, des permissions. Et du coup, soit on utilise ce service account par défaut, soit on peut créer le service account. L'idée étant que, du coup, une fois qu'on a l'application à sa propre identité, on peut gérer ses propres permissions sans toucher à celles par défaut, qui sont vides. Et d'ailleurs, de toute façon, celui-là, c'est une identité à part, mais elle a toujours zéro permission. Voilà, on s'en fout. Donc moi ça me va. Ok, donc du coup je comprends mieux comment il fait le bricolage. Ensuite on a quoi? Le security context, c'est celui qui est là, donc par défaut il est vide.
Ensuite, si un jour on s'intéresse un peu au renforcement des applications dans un cluster Kubernetes, ça peut... On pourra se pencher dessus. Là, j'ai pas spécialement envie de me pencher dessus ce soir. Et après, on a la liste des containers. Donc, par défaut, on n'en a qu'un, évidemment. Où il nous remet le security. Alors, on a quoi? On a le pod security context. Ah oui, d'accord. On a le pod security context et le security context global. Ok. Donc là, on a le service. Attends, quoi? Pourquoi il fait ça, du coup? Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. D'accord. Bref. Ensuite, on a l'image, tac, 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 avec le image tag. Et si on ne met pas par défaut, c'est le app version du chart qui s'applique. Donc celui qu'on a vu dans le chart YAML, hein, le app version. Peut-être faire ça. Hein. Juste par principe. J'avoue que c'est mieux d'être à corps. Ensuite, on a l'image pool policy qui par défaut. Je l'ai pas vu celle-là. Si pool policy if not present. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a quoi? Le service port, donc celui-là, je l'ai. Donc vous voyez par défaut, ok, il est en HTTP, ça me va. Le liveness probe, ok. Le readiness probe, ok. Le timeout par défaut, c'est d'une seconde. Alors étant au local, ça devrait aller. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Bah, il va nous manquer tout ce qui est variable d'environnement. Variable d'environnement et secret. Donc du coup, il va falloir qu'on les crée. Il va falloir qu'on les crée. Alors, soit on fait du copier-coller depuis des manifestes existants, ce que je pourrais faire. Soit quelque chose d'un peu plus élégant. On peut faire un kubectl create config map. Help, comme ça on va regarder un petit peu les options. Donc on peut faire, on met le nom et après on met from file key 1 machin, from littéral key 1 config 1, from littéral key. Ok, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier, je vais me simuler la création d'un config map qu'on va retoucher après avec les éléments qui concernent l'environnement. Et on va intégrer ça en manifeste dans notre template. Du coup. Alors, pouf. On va le laisser comme ça. Bon, en vrai. Et on va faire un tiret dry run égale client tiret o YAML. Et en faisant ça, ça nous crée le YAML de base de notre objet. Et donc ça, je peux le reprendre. Et du coup, je vais nous. Alors, je sais pas pourquoi il est décidé de. Hop. Donc je fais un new file, je colle ça là-dedans, je l'enregistre en tant que config map.yaml. Alors, je l'ai appelé. Putain. Hop. Ouais, alors paniquez pas, cette histoire de project refresh, etc. C'est des conneries qui sont spécifiques à Sublime Text et à WSL2. Je vais pas me. Alors. On va s'inspirer du déploiement. Pour comment? Pour faire notre comment? Pour modifier notre config map. Donc typiquement, le déploiement, le HPA, l'ingress ont tous le même nom. C'est-à-dire que par défaut, ils utilisent le full name. Donc le full name, il est là, hein, chaos full ghost-chaos.fullname. On a le même truc partout.
Donc on va reprendre la même directive. Donc à la place de... Alors déjà... D'habitude... C'est vrai que là, par défaut, quand on fait ça, il nous crée tout... Par ordre alphabétique. Donc effectivement, A, D, K, M. Mais généralement, tout ce qui concerne les datas dans le manifeste des config maps, on le fout à la fin. Voilà, le creation timestamp nul, je sais pas si on va le garder ou pas. De toute façon, on l'a pas dans les autres. Alors, donc le nom. Le nom, on a dit, hop, tu me remets ça. Et le data, voilà, donc le data, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on va commencer à bosser sur la partie environnement. Donc environnement, on va avoir besoin des databases clients, database connection host, database connection user, connection password et connection database. Voilà. Bon. L'URL, on va éviter d'y toucher pour l'instant, on va voir comment ça se passe. On a le node env aussi à mettre en place en... Encore que non, production, c'est la valeur par défaut, je crois. Donc on va pas y toucher. Et on va voir comment il se connecte au... Ah, je veux quand même vérifier un truc dans la doc. Si on veut faire l'installation... Donc en local, ils s'emmerdent même pas à parler de base de données. D'accord. Alors ils mettent que MySQL 8. Oui, là ça part de zéro si jamais on veut. Ok. Bon. Bon. Core concept, configuration, on a quoi? Custom configuration file. Bon, en vrai, on va tester, mais on va tester comme ça, on verra bien. Alors, on en était à ça, on va revenir à là, comme ça, on va reprendre tout ça. Alors, on a besoin de database, underscore client, et on précise MySQL. Il y a un truc qui m'emmerde là, c'est le... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, désolé, je... Il y a un truc qui me... Ouh la vache! Désolé! Ok, mais c'est quoi ce délire là? Non, ça on s'en fout, c'est pas le thème. Oh la vache! Non mais c'est pas possible, non plus. Non plus. Je suis désolé, hein, je... Ok, bon, on va prendre ce thème-là pour ce soir au niveau des couleurs, parce que j'avoue que pour faire du YAML à fond les ballons, là, pour voir ce qui se passe, c'était pas... Et même encore maintenant, on n'est pas sur des... on n'est pas sur des contrastes de furieux. Hein. Ah, j'ai pas vu, il y a une partie, là, du coup, qui est cachée... Merde, pas de bol. Peut-être que je décale un peu comme ça, ouais, bon, ça... Alors, ensuite, on a quoi? On a database... Alors, pas client, mais c'est connection... Hop. Connection host, le host. Alors du coup, si j'ai bonne mémoire,
Si je fais ça. Putain, la vache. Oh. Faut tirer large, hein, pour pas être emmerdé. Donc on a notre MariaDB qui est dans database. Donc du coup. Si on remonte, je crois que c'est mariadb.database, un truc comme ça. Hein. Donc on va faire mariadb.database. Je suis con, en vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder dans... Alors, tac tac tac, config map, fresh RSS, non, à tous les coups c'était pas là-dedans. Merde, je me souviens plus. Je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai relié? J'ai relié. Non, Giti toujours pas. Ah bah drone. Drone il a quoi lui? Drone il a un config map, hein. Il me semble que j'ai fait ça. Drone database driver MySQL, Giti client ID, d'accord. Merde. Ah oui, c'est parce que c'est dans Secret. Ah bah oui, mais du coup. Ah oui, voilà. alors. Pubctl. Get. Secrets-n drone. On fait comme ça, du coup, après il s'appelle drone-secrets. Alors attention. Alors déjà, -oyam, l'histoire de récupérer. Donc on a quoi? Le drone, c'est quoi? Drone database data source, ça va être celui-là. Alors, du coup, on remplace le O par JSON pass. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hop. Data point drone database secret, on va le récupérer comme ça normalement, voilà, et on fait, et derrière on fait un bus-64-d. Alors c'est pas le machin, c'est le data source. J'ai des gros doigts. Alors, c'est bien mariadb.database. Ok. Toujours intéressant de pratiquer un petit peu. Hein. On rappelle, hein, c'est bien beau les outils comme KNFS, etc. Mais on voit que ça ne nous facilite pas toujours la vie. Du coup. D'où que j'en étais. J'en étais là. Oui, voilà, c'est ça. Hop, alors. Alors, on va pas s'emmerder, ça va être très dégueulasse. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je ne fais surtout pas la création... Enfin, je ne rajoute surtout pas le secret. Dans ce truc-là, je vais même volontairement l'exclure du chart, mais je vais me rajouter un README pour expliquer qu'il faut le créer. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, d'accord, mais en fait, on peut... Ok, quand on fait ça, on peut rajouter... L'image Docker fait qu'il suffit de mettre les underscores, donc on peut configurer toute notre instance avec ça. Oh, bah, ma foi, c'est pas si mal. Du coup, bah, on va l'appeler Ghost aussi, on va voir, tiens, ça va être particulièrement... Et si vraiment on veut, on fait... Ghost Chaos, hein, histoire de faire ça bien, et puis voilà.
En vrai, si je veux vraiment être propre, tout ça. Tout ça, il faut que je le. Il faut que je le. Et si on veut vraiment être complet. Si on veut faire les choses propres. Très propres. Le type de client, il va dans Values. On se crée une section genre database. Je sais pas où. Je vais la mettre au bout. On fait ça. Et du coup, on peut créer client MySQL. Pas comme ça, certainement pas. Qu'est-ce que je fais? Oui, viens là. Hop. On peut créer connection et après host. User. Donc là, ce serait le host. Alors, hop, ici, hop. Le user. La database. Et on pourrait mettre un commentaire avec. Alors, si on regarde ça bien, on fait un hop. In case you are using SQLite and comment this one, the following line and adjust the path to your target volume. Donc le file name, alors le file name, on a vu si on veut le faire avec ça, c'est varlib ghost content. Alors du coup, on avait vu ça là. Ça, c'est le truc par défaut, et ce qu'on va faire derrière, c'est. Si dans la config map, non, c'est pas dans la config map. Si c'est dans la config map, ici, en gros, on va se rajouter if point values point database.client MySQL. Donc on rajoute ça. Sinon, on rajoute. Alors ça va être. Donc c'est database connection. On a dit que c'était FileName. FileName. Et alors par contre, c'est là où maintenant on va refaire le truc. Ah, je vais rajouter tout de suite le end. Voilà, donc là, normalement, on est censé avoir fait ça comme il faut. On nous dit que si le value database client, c'est MySQL. Il me semble que c'est la syntaxe. Hein. Je me souviens plus du. Pitié, dans le helper on a les if et compagnie, non, define default. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que j'ai un truc? Si on a. C'est que si des trucs existent, c'est ça qui est chiant. C'est que des trucs avec des trous. Fais chier.
Ah, bordel! Flow control. Le if else. Boolean false. Ouais. Numérique 0, empty string, nil, empty collection. Oh merde. Il n'y a pas de véritable exemple. Ouais, donc faut que je mette un EQ. Je me souvenais plus de ça. Enfin, je vous cache pas que ça fait quand même quelques mois que je ne fais plus. Et c'est quand même triste au possible. Alors du coup, celui-là, on le remplace par point values point database. Value, donc c'est notre fichier de values. Point database, ok. Point connection. Je suis où? Je suis là. Point connection. Point host. C'est ce qu'on cherche. Et hop, on va copier ça histoire de le remplacer, puisque derrière on remplace ça par user et ça par database, donc ça fait un petit peu bizarre de dire voir database, 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 et donc le dernier c'est filename. Voilà. Alors, du coup, on a ça, donc ça nous permet d'avoir tout sauf notre secret. Et c'est là où on va avoir besoin, du coup, dans notre ghost, à la racine de notre ghost chaos, pardon. J'écris certainement de la merde, mais c'est pas grave. Du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mchart to deploy ghost application with val key dependency. Ok, jusque-là on est bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a. On a. Je vais y arriver, hein, un jour. Oui, alors. Le secret a besoin. The secret needs to be created manually for the application. Start correctly. Hop, on va pas s'emmerder. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. C'est du bash derrière qu'on va mettre. Donc, je vais y arriver. Ça va être donc ctl create secret.
Voilà. En vrai, c'est une connerie ce que je suis en train de faire, mais c'est pas si grave. Pas parfait, parfait. Si on veut vraiment que ce soit adaptable comme il faut, il y aura encore 2-3 petits trucs à retoucher, mais ça, je verrai plus tard. On est plus là. Hein. Voilà. M'emmerde pas avec la licence. Alors, hein, machin. Non, c'est dégueulasse ça. C'est générique. Ah oui, d'ailleurs, tiens, il peut pas s'appeler comme ça, parce qu'on est dans Kubernetes, c'est forcément des tirets. Alors, ghost-chaos-secret. From littéral égal. Et c'est là où ça va être rigolo. Donc, il va nous falloir le... Si on reprend, c'est le database connection password égal... Voilà, ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave. alors, paf paf, deployment, ça c'est pour la suite. Normalement, si tout se passe bien, on va avoir un truc derrière pour le déploiement qui ressemblera à ça. Un truc dans le genre. Voilà, voilà. Du coup, faire c'est tiré N. Ouais, allez, de toute façon, c'est pour l'instant, c'est pour nous. On va se le garder comme ça. Space up as you need to manually create in space. You need the namespace before end. Voilà. Oui, si. Si. Parfait. Oh, c'est beau ça. Alors, alors qu'est-ce qui... Ah, il va nous manquer un truc. Il va nous manquer un truc vital. Le volume. Le volume. Alors. Le volume, bah pour rappel, le volume, on peut se permettre. Alors, pour le volume.
Ouais, parce qu'on est loin d'avoir fini. Je commence à créer ça, mais en fait... Alors, ouais, du coup, j'ai créé mon config map et on va créer derrière le chart. Enfin, le déploiement. Enfin, le secret. Mais du coup, tout ça, pour l'instant, on ne s'en sert pas. Donc, en fait, il va falloir que je rajoute... Il va falloir que je rajoute ma section environnement. Alors, généralement, ça, moi, je le rajoute après, avant les ports. Et comme on va utiliser ça à partir de fichiers, et que j'ai pas envie d'être beaucoup trop granulaire, c'est pas la meilleure des pratiques, je sais, il y en a qui vont me gaver avec ça, mais on a deux, on a plusieurs méthodes. Soit je mettais toutes les variables directement, donc là je mettais env, et je foutais directement ce qu'il y avait dans le config map, donc database client, database connection host, etc. etc. Soit je mettais... soit je mets un env from et je lui dis pointe-moi vers le config map, pointe-moi vers le secret, ni plus ni moins. Et sinon, il y a l'option qui est encore pire, c'est-à-dire qu'on fait un environnement, on définit la clé, donc database connection host par exemple, et on lui dit, et va chercher la clé database connection host dans le config map. Donc ça vous permet de gérer vos variables dans un fichier dédié, mais derrière vous déclarez explicitement quelles variables sont utilisées dans vos composants. Ça peut être intéressant si vous voulez regrouper plusieurs clés. Alors là, nous, de toute façon, on construit le... Comment ? On construit le config map en fonction du type de driver qu'on utilise. Donc j'ai envie de dire, on s'emmerde pas trop avec les détails. Mais on pourrait, par exemple, plutôt que de gérer ça dans le config map, là on fout tout dans le config map, donc le host, le user, le database, le file name, il y aura tout, et après c'est au niveau du déploiement qu'on déclare les variables uniquement si on en a besoin. Là, moi j'ai décidé de le faire depuis le config map, donc je vais faire un from, un env from. Et je vais lui dire, alors je crois que c'est config, c'est comme ça, je sais plus. Config map name et on met le nom du config map qui est, et ben c'est ça. Voilà. Et du coup, on a aussi un secret. Et alors lui, pour le coup. C'est un point values, point, on a défini un secret name, donc database, point secret name. Voilà, donc normalement avec ça on est couvert. Pareil, honnêtement pour le coup, voilà, je vais revérifier quand même. De netlist config map. Hop. Alors, typiquement, ça c'est la définition du config map, et après voilà. Donc vous voyez, il fait un config map qui est ref avec le nom. Donc ça c'est le nom du config map et la clé dans laquelle on va récupérer le truc. Voilà. Normalement, il y a aussi la possibilité de monter un config map en tant que volume. En l'occurrence, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai fait pour... Pourquoi il me l'affiche deux fois, ce con ? Ah oui, d'accord, ok. Mon téléphone, évidemment. C'est pour,
je vais pas avoir de truc à part, donc ça va être là-dedans. Et c'était pour Smoke Ping. Pour Smoke Ping, la config, c'est un config map. Et en fait, là, c'est les fichiers de conf que j'ai intégrés. Et donc, du coup, dans le déploiement, peut-être que maintenant je suis déjà 133, putain, mais c'est ouf. Dans le déploiement, là, pour le coup, voilà, j'ai tous les montages avec où là je spécifie le type de. En volume, j'ai spécifié smoke ping data et smoke config. Et après, je définis chaque fichier de conf en fonction de la clé du. Comment ? Du config map. Voilà. Tout simplement. Par contre, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas mis à jour. Donc voilà. Alors ça c'est intéressant. Ok, je croyais qu'il y avait que les secrets qui pouvaient être mis à jour comme ça. Bon. Hein. Ah voilà, donc c'est config map ref. Donc c'est pas juste config map. Et il y a la ref, et donc du coup ça va être secret ref ici. Voilà, parce que la logique veut que ce soit la même. Donc normalement ça passera comme ça. Ouais, et donc voilà, sinon on fait un config map qui est ref avec la clé et tout le bordel. Ah, je savais pas qu'on a aussi l'option immutable à trou. C'est intéressant. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc là, on a couvert ce qu'on a rajouté en termes de config map. Il va nous falloir maintenant un volume. Donc le volume, on sait qu'on va le monter dans varlib machin, mais il faut quand même qu'on le crée. Donc il va nous falloir un PVC, puisque comme j'ai un. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Comme j'ai le. Comment? Le NFS. Comment je l'ai appelé? NFS provisionneur. Enfin, le CSI. Le CSI provisionneur de. Le NFS CSI provisionneur. Du coup, je vais pouvoir générer le volume, créer le volume dynamiquement. Il va juste falloir maintenant que je le crée, que je le paramètre. Et que je fasse ça dans les règles de l'art. Alors, pour pas m'emmerder, enfin, en tout cas, pour ne pas me planter, surtout. Là, pour le coup, je vais peut-être retourner... dans Git... Voilà, hop. Je vais faire ça. On va quand même faire un truc, hein, c'est qu'on va faire en sorte de le créer dynamiquement. Donc on va quand même se créer une section storage. Enable de trou. On va se rajouter quoi aussi storage class name. Et ça va être c'est quoi storage mount, un truc comme ça, je sais plus. Non, on va y aller comme ça, on va se garder ça. Si alors, éventuellement garder le truc de la taille size, mais on sait que ça de toute façon on s'en bat les, enfin, on s'en bat les couilles. Disons que c'est moins nécessaire. Alors, on va faire ça. Déjà, on va faire ça. On a quoi? On a besoin. Bon, le nom, c'est bon. Le label, on s'en bat les couilles. On a quoi? L'access mode.
Ouais, non, Access Mode, c'est une liste. Hop, c'est comme ça. La storage class name, le size. Bah, c'est tout, hein. Ouais, parce que le nom, là, on va reprendre. Nous, on va reprendre ça. Non, le namespace, pardon. Non, le namespace, on le vire. Lui, il rentre pas dedans. C'est le nom qui est là. Ensuite, le... Alors déjà, tout le truc, il est derrière un if.values.storage.enable. Déjà, pour commencer... Hop. Ça veut dire qu'on ne crée pas le volume. Il n'y a pas besoin. Tout simplement. Ensuite. Access mode. Oui, alors on a faire ça, storage class name. Hop là, raté, nfs-csi. Du coup, on a point values point storage point storage class name. Resource request storage. Pour rappel, hein, sur le NFS, le size il est indicatif parce qu'il fait partie de la spec. On n'a pas besoin d'y toucher parce que de toute façon, c'est la taille globale du NFS qui s'applique. Il n'y a pas de gestion de quota, de quoi que ce soit. Je le mets quand même en tant que variable parce que si votre classe de stockage est un stockage un peu plus bloc, voire natif, type Rook, Longhorn, ou des stockages cloud, si jamais vous faites ça sur du cloud, par exemple, bah là, pour le coup, la valeur, elle est réelle. Elle est beaucoup plus réelle. Il va réellement vous créer un volume de cette taille-là. C'est un truc sur lequel il faut faire attention. Hop. Et... alors, les access modes, il faut que je fasse un qu'est-ce que j'avais vu, ouais, c'était le machin et avec le n indent derrière. Ah oui, putain, je me casse. Read write many. Hop. Ça, c'est le plus chiant à chaque fois. Je sais jamais comment le... Parce que là, typiquement, je suis pas censé avoir besoin d'y toucher. Si. Il faut que je fasse un tout YAML et que j'indente 2-4. Dans le déploiement, il fait ça comment? Ouais, c'est ça, il décale de 8, donc du coup... il faut que je fasse un tout YAML. Qu'est-ce que j'ai branlé? Alors... withValues.affinity. Ah oui, d'accord, ok, il faut que je fasse un... faut que je fasse comme ça? Ah bah ouais. Ouais, c'est pas plus mal, parce que si jamais il y a un délire avec le truc, qu'il n'y ait pas. With.values.storage.accessMode. AccessMode to YAML. Un indent de 4, on va le faire comme ça. Il le fait comme ça, c'est ça? Tiret, machin, tout yaml point, un indent de suite, ouais, c'est ça.
Normalement, ça devrait passer comme ça. Donc, du coup, lui, on va l'appeler en persistante volume claim. Point. William le bleu. Hop! Ouais, comme ça, s'il n'y a pas d'access mode de défini pour X raison, en fait, il n'y a pas d'erreur dans la liste. Ça, on s'emmerde pas. Ça me va très bien. Alors, bon, on est pas mal là-dessus. Alors, maintenant qu'on a créé le persistant de volume claim, il va falloir le rajouter. Enfin, il va falloir rajouter les définitions de volume et de volume mount. Sachant qu'elles doivent être toutes conditionnelles, puisque on ne va pas pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, alors, les volumes, ils se créent au même niveau hein, que container, hein, ils se créent là. Du coup, très bien, par contre. Volume-name, persistant volume claim, claim name, le nom du persistant volume claim. Ok. Parfait, donc du coup, name. Hop, comme ça, hein. Ouais, ou le garder là comme ça. Alors, le nom du PVC, bah de toute façon, on reprend le, hop, hein. Là. On reprend le full name. Alors, par contre, oui, pareil. Je viens de dire qu'il fallait que ce soit conditionnel, hein. If.values.storage.enabled. Et à chaque fois, j'oublie le tiret. Le tiret, ça, c'est dans la syntaxe. Alors, c'est du Go template, hein, techniquement, mais c'est dans la syntaxe. Et en fait, ça dit ne laisse pas le contenu de la ligne. Typiquement, si j'enlève le tiret là, il va quand même me laisser les 6 espaces vides dans le fichier. Alors qu'on n'en veut pas. Donc, du coup, on met un tiret pour dire supprime complètement la ligne. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut se permettre de dire comment? On le réindente et comme ça on ne bouge plus. C'est pour ça aussi qu'on se permet de faire, typiquement par exemple, on met quand même les 8 tabulations et après on met le code pour dire supprime-moi la ligne, reprends le YAML et réindente de 8 derrière. C'est un petit peu dégueulasse, mais c'est plus clair. Ça permet de garder l'indentation dans le code, au niveau du code, pour pas s'emmerder avec le reste. Ah non, alors, je suis con, je dis ça, c'est quoi? Ça va être c'est Ghost Data. Lui, on s'en fout parce que c'est le nom interne du volume. C'est le nom interne du volume, mais par contre, voilà, il faut qu'on lui passe le persistante volume claim. Oh, claim, pitié. C'est claim. Name, 2 points, et c'est là où on remet le chaos full name. Ok. Ensuite, maintenant qu'on en est là, on a le volume. Hein, évidemment. Et on va remonter parce que du coup, maintenant, il faut aller là-dedans. Et c'est là au niveau du container où je dois rajouter à la fin. Oula! Sébastien. Volume mount. Alors du coup. Tiret name 2. Ghost data. Donc je lui dis, tu me prends ce volume-là que je t'ai défini là, le ghost-data, et le chemin, il faut qu'on reprenne là, le chemin, c'est varlib ghost content. Voilà. Le mot passe, voilà. Et ça, évidemment, encore une fois, if... values.storage.enable, toujours. Hop. Et voilà.
Voilà. On a donc notre PVC, on a notre deployment, notre values. Values qui a été amendé, donc du coup, entre la database, le storage. Donc là, on a notre truc de base. Mais pour l'instant, à part faire un port forward sur le service, on ne sait pas. On ne sait pas accéder à notre appli. On n'a pas encore touché à l'ingress. Sachant qu'on ne va pas utiliser une ingress rule, mais une ingress route dans notre charte. Oui, on a des notes là-dedans. Tiens, c'est intéressant. Les notes sont pas bonnes. Vu qu'on a modifié le. Pas sûr que ça marche, ça, mais c'est. Comment je l'ai appelé la base déjà? J'ai perdu le values. Il est où? Il est là. Je l'ai appelé ghost underscore chaos. C'est de la merde, hein, faut pas oublier. Qu'est-ce qu'ils disent dans la doc pour la configuration, pour l'installation et la configuration? On va rigoler vite fait là, pouf, Ubuntu. Install Nginx, Alteroute machin. Install ghost, create directory, run install process. Ah. Ah. Ok. Allez, gros malin. Ah ouais, non, mais jamais de la vie on fait ça. Ils s'en foutent. Bipi, quoi encore? Ça va pas la tête. Non, oui, on va créer automatiquement la base.
Alors du coup, vu que le truc le fait lui-même, ça va être quoi? Ça va être create. Alors, par contre, si on fait ça bien. Hide by up. Je sais plus comment on fait pour au moment de la création, on peut pas faire un truc dans le genre, hein. Il donne pas d'infos dans la doc pour dire si on l'a créé vous-même. Il nous dit install question, MySQL username password, ok, database name. On ne sait pas si on doit créer la base à la main. On n'a pas d'infos sur le type de base de données qu'on doit créer. Un petit peu. Ouais, content API, API, JavaScript, Webhook, admin client, d'accord, ok, jusque-là on est bon. Ah, évidemment, hein, comme par hasard, toutes les cas ils mettent beaucoup plus de cases vertes si on prend Ghost Pro, qu'on paye chez eux 9$ par mois. En expliquant que si on l'héberge soi-même, c'est 10$ par mois. Mais ça, hein, voilà. C'est relatif. Ok, bon, bah écoutez. On va se. On va partir du principe que ça marche comme ça. Je vais m'occuper après de l'ingress route. On va déjà commencer par. Déjà par vérifier qu'on n'a pas fait de faute de frappe. Et du coup. Client is not a method but has arguments. Value.database.client. Donc il n'a pas aimé le contenu du config map, donc vous voyez déjà. Hein. Parce que je mets un EQ. Donc ça lui plaît pas.
Alors, lui, il nous dit quoi? Oui, mais non. Et ça m'intéresse pas, parce qu'à chaque fois, c'est... À chaque fois, il teste des valeurs true ou false, donc je m'en fous, moi, ça m'intéresse pas de ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nia, nia, nia. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Oh putain. Ok, oui. D'accord, c'est juste que je fais n'importe quoi. Ça va être ça, du coup. Bon, bah voilà. Ça va, c'est pas... Là, c'est marrant, ça fait penser à de la notation polonaise, mais... Ok. Ok. Ouais, donc là, on n'a pas de... Faut que je fasse... Si je l'appelle comme ça... Je vais avoir un truc qui s'appelle Ghost, Ghost Chaos, normalement. Non? Non, read his name. Elm template, name, chart. Là, il prend Ghost Chaos, d'accord. Ghost, Ghost Chaos, ok. Là, il a repris mes éléments, donc tout va bien. Il a recréé le... Là, il nous crée le persistent volume claim, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on a un service, on a tous les labels qui correspondent. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, on a le deployment avec tac tac tac, le port HTTP qui s'appelle 2368. Ah! J'ai... Qu'est-ce que j'ai merdé sur SecretRef? Sur le SecretRef... Donc c'est dans le deployment. Point values. Point database. Point connection. Point secret name. J'ai oublié un... Voilà. Alors, du coup... Ah, c'est mieux. Par contre, il s'appelle ghost-chaos... Non, bah non, ghost-chaos-secret, c'est ce que j'avais mis. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais mis, donc c'est bon. Il prend bien la valeur, parfait. Le volume mode, c'est ghost data, et le volume, il s'appelle ghost data, et il prend le PVC, ok. Et derrière, on a un pod qui s'appelle test connection, qui va tenter un wget sur le service Ghost Chaos avec un port 2368. Ok. Bah, je me demande si on va pas commencer à le tester comme ça. Parce que l'ingress, on va pouvoir le rajouter après dans une nouvelle version du chart, mais en faisant l'upgrade du machin. Ça permettra dans un premier temps de voir s'il déploie bien le volume et que le pod démarre bien. Parce que ça, on n'a pas besoin de...
Ouais, bah du coup, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Parce qu'après tout, il est déjà 22h30. Le temps défile vite. J'aime bien ça. Donc on a ça. Donc pour l'instant, on n'a bien que deux bases de données, puisque le reste, c'est des bases internes. Donc MariaDB, qui est la base classique, entre guillemets, de MariaDB. MySQL, qui est juste un wrapper pour la compatibilité. Pareil pour InfoSchéma, Performance Schéma S6. Qui, la plupart du temps, ne contiennent que des vues vers les vraies données. Enfin, MySQL surtout, c'est une collection de vues qui correspondent aux infos qui sont dans les autres tables. Du coup, je me suis dit, donc j'avais dit, alors on va reprendre direct à côté Sublime Text, on va reprendre notre README dans lequel on avait rajouté la base de données. Donc j'ai dit, si tu me fais ça, donc on va le tester, voir ce qu'il nous dit. Ok, j'ai une erreur dans la syntaxe. Alors, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé la création de la base. Au pire, hein, je nous fais ça, et puis. Oh merde. Ah, mais j'ai vraiment fait de la merde! Ah oui, d'accord. Et autant pour moi. Bah écoute, hein. Voilà, fais pas chier. Ok, donc du coup, c'est ça. J'ai tapé des. Ou alors j'ai merdé mon copier-coller. Ouais, c'est ça, à tous les coups. J'ai dû merder mon copier-coller. Bon, voilà, du coup, on a fait ça. On va se rajouter ça aussi. Voilà, donc ça, pour la base, c'est fait. Et qu'est-ce que je fais derrière? Je peux me barrer de ça parce que. Ouais, c'est bien ce que je pensais en fait. J'ai pas l'option de QCTL create namespace. On a dit qu'on faisait un ghost-chaos. Voilà. Alors, du coup, ensuite, on va créer notre secret. Et du coup, c'est comment tirer tirer wait, c'est ça? On fait un truc comme ça. Yes! Yes, en from invalid value must specify one of config map ref or secret ref. Et j'ai fait les deux. Donc le deployment me dit que. Ah putain, il n'y a pas de tiret. Ok. Enfin, si, peut-être. Bah si, off from tiret. Alors je comprends pas.
Ah, celle-là, elle est bonne, tiens. Et comment j'avais... Chez qui j'avais fait un infrom sur mon Giti? Drone, on avait fait quoi? Drone, j'avais fait avec le chart. D'accord, ok, comme ça c'est fait. Et on avait généré un env. Et du coup, dans drone, ça s'était transformé en. Oh, ce serait quand même pas juste ça, sérieux. Si vraiment c'est ça, ça me fout les boules. Ah, mais si, putain, à tous les coups, c'est ça. Ah putain! Alors, je sais pas du tout du coup. Il est en train de me faire. Ok. Il est en train de. D'accord. C'est juste qu'il me dit rien, donc ça me fait un peu peur. Et du coup, il est en train de me. Ah, il est en train de me déployer deux pods. Mais pourtant, en réplica, on était marqué à 1, non? C'est quoi ce. Ah, c'est pas le même déploiement, à tous les coups, c'est d'un côté le. Ça, c'est Ghost Alpine. Non, ça, c'est Ghost Alpine aussi. Ça y est, je me suis foutu dans le mal. Ça répond plus. Ah putain, mais oui, mais je l'ai arrêté, et du coup, il est en train de se taper le. Ok. Ok, mais d'accord. Donc là, il la start. Putain, mais il bloque encore, c'est ouf. Hein. Alors là, il dit quoi? Là, il dit qu'il est en train de créer les tables. Ah ouais, donc en fait, ça va pas du tout cette histoire. Ouais, bah ouais.
Migration lock was never released or currently migration is running. Bah oui, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, du coup, ce qu'on va... Merde. Ah, il me fait quoi, lui? Non, mais arrête tes conneries. Voilà, on va pas s'emmerder, tu me butes tout. On va aller se réparer vite fait la base de données. On va la vider, hein, tout simplement, parce que j'ai fait un peu de la merde, on va pas se mentir. Mais c'est quoi, c'est le tiret-tiret atomique, c'est ça? Je sais plus, il y a un truc... Est-ce que j'ai mis wait? C'est tiret atomique, un truc comme ça. En fait, c'est tiret-tiret atomique qui implique que wait fonctionne derrière, il me semble. Bon, c'est pas grave. Alors, retournons dans database. Hop. Drop database. Ghost Chaos. Voilà. Et on recrée la base de données. Voilà. On n'en parle plus. Alors, on retourne dans Ghost Chaos. Deux points. Normalement, il n'y a rien dedans. Parfait. Donc, du coup, je dois avoir un PVC qui traîne sur le serveur. Sur le NFS, mais c'est pas grave. Ce qui va nous intéresser directement, c'est les pods. Et du coup, on y va. Il nous dit ça n'existe pas, on le crée. Cette fois, il nous dit quoi? En plus, c'est cool, maintenant on a déjà l'image, donc ça va beaucoup plus vite. On va le laisser faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Running production, your site is available. Donc là, il voit qu'il n'y a pas les tables, donc il est en train de créer les tables. Ready en 22 secondes, il n'y a pas de mail from, ok, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, du coup... D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Started pool machin, ok. Donc là, on a l'external provisioning, d'accord. Donc là, on voit tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a fait de bon. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, d'accord. Il gueule sur les liveness probes. Ah, donc peut-être qu'il va, peut-être qu'on va devoir calmer ça pour l'instant. Alors, on va peut-être se... Est-ce qu'il nous envoie une 503? Ah ouais, comme j'ai tous les paramètres par défaut là-dessus. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais, on va les... Hop, on va les saquer. Voilà, là il me dit que c'est ready. Et là il me dit que c'est available en localhost 23 machin. Ghost URL service ready. Ouais, donc on voit qu'il y a quand même des trucs qui mettent du temps en fait à apparaître. C'est pour ça que du coup nos liveness readiness n'était pas bonne.
Donc là, quel va être le truc? Le truc, ça va être un kubectl, le port forward. Je me souviens jamais de la syntaxe. Pod machin, deployment, c'est le service qui va m'intéresser. Alors, -n ghost-chaos, port forward, 2368, 2.2368. Il a pas aimé. Bah oui. Service slash je suis con. Ghost-chaos. Non plus. Oui, c'est chaos-ghost-chaos, pardon. Je l'ai appelé chaos, la release. Non. Ok. Alors, du coup. J'y crois pas une seconde, ça. Oh, merde! Si, ça marche. Ça marche. Incroyable. Et donc là, si je fais ça, normalement, je tombe sur l'admin. Welcome to Ghost. Voilà. Donc là, je peux commencer à créer le bordel, c'est-à-dire... Chaos Playground. Name. Ah, email, on n'en met pas. Mot de passe. Sans pas les couilles. Créer un truc à la con. Hop. Là, je l'ai entendu gratter derrière, donc c'est qu'il m'a fait des trucs stockage ou base. Donc là, il nous dit customize your design, machin, etc. Et ensuite, on a les posts, les drafts, les publish. On verra plus tard. Tu m'emmerdes. On a le thème sombre, parfait, ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Non, bah c'est... De toute façon, il est 22h50, donc je pense que... Je pense qu'on ne va pas... Alors, il y a quelque chose que j'ai pas mis. Ouais, voilà. Ça je vais le supprimer. Mais du coup, ok, donc il me garde le PV en released. Donc je perds pas entièrement les datas quand je supprime. C'est juste que par contre, si je recrée un PVC, comme ils sont en release, il va pas me le reprendre en available. Bon, de toute façon, il reste quand même 2-3 trucs à faire qu'on va pas faire ce soir. C'est pas grave. Comment je fais déjà pour buter le...
Hop. Pour 101, d'accord. Hop, on va arrêter là pour ce soir. De toute façon, au final, il n'y a personne. Je vais pouvoir... Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, sur ce chart-là, au final, en vrai, il faudrait retoucher tout ce qui est liveness pro, parce qu'en fait, je pense que c'est surtout le premier démarrage, en fait. Il continue d'afficher une 503 tant qu'il n'a pas fini de démarrer. Et on a vu que l'URL service mettait 20 secondes. Donc en fait, il faudrait retoucher les timings des liveness, readiness, pour dire, voilà, tu commences à travailler, il y a une troisième sonde, je crois, qui est startup probe, un truc comme ça, qu'il faudrait qu'on rajoute, et ou qu'on modifie pour dire, attends 20 secondes avant de dire, parce que le truc va mettre 20 secondes à être prêt, donc attends un peu. Il nous reste l'ingress route, parce que là pour l'instant on est toujours sur l'ingress classique, mais ça, bon bah, c'est bien que si on reste sur un Kubernetes, enfin sur un ingress contrôleur classique et qu'on n'a pas envie d'aller très loin. Le problème c'est que l'ingress contrôleur, enfin cette ingress rule classique, j'ai jamais réussi à la faire fonctionner avec Trefic pour qu'il me génère le certificat tout seul. Il n'y a qu'avec l'ingress route que ça fonctionne. Alors soit j'ai toujours raté un truc, mais vu la gueule de la doc, j'en sais rien. Soit un jour je vais remplacer Trefic par autre chose, j'en sais rien, je sais pas. Ou je vais le faire en mode classique, comme je l'avais dit que, comme j'avais dit que tout le monde fait, c'est-à-dire que je vais utiliser Cert Manager, comme ça je pourrais avoir déjà plus d'un pod d'ingress controller. Mais j'ai un autre problème sous-jacent avec ça, et ça voudrait dire réinstaller le cluster from scratch. J'ai un autre souci réseau bas niveau que j'arrive pas à résoudre. Voilà. Mais du coup, sinon, et bah, ce que j'ai pas eu le temps de faire ce soir, malheureusement, c'est l'intégration de Valky. Et pour faire ça, pour intégrer la dépendance Valky, il me semble que c'est dans le fichier de chart. Je crois que c'est elm use chart, un truc comme ça, et chart enfant ou un truc dans le genre, et subchart, voilà. Alors non, c'est pas ça, c'est comment je fais du coup. Ça, c'est le values, d'accord. Mais ensuite, dependencies, voilà, c'est ça. C'est dependencies, il faut que je rajoute dependencies dans le chart.yaml et que je dise, par exemple, déploie-moi le chart Valky. Et par contre, je mets dans mon values, je rajoute potentiellement toutes les valeurs dont il y a besoin. Mais il faudra qu'on regarde comment, via ce déploiement Docker, comment configurer le système de cache. Alors, ça va être où ça va pas être caching, ça va être ça. Cache adapteur. Ça va être ce truc là, donc en fait et il y a un Redis cache adapteur.
Pourquoi pas? Et du coup, il y a une configuration adapteur cache redis. Ça fait quoi de beau? Bonsoir. Bonsoir Adrien. Oh. Merci. Merci de passer. Moi, humble micro-streamer. T'as fait quoi de beau? C'était en train de regarder ce que j'allais faire la prochaine fois. Comme je l'ai indiqué dans le titre. Je veux mettre en place un environnement pour expérimenter le chaos engineering. Donc, péter volontairement une application et analyser son comportement pour l'améliorer et être plus résistant. Et donc la première étape, c'est d'avoir un environnement sur lequel qu'on puisse casser à terme pendant qu'on teste. Et j'étais parti sur une base du CMS Ghost et je suis en train de parcourir un peu la doc pour savoir ce que je dois encore mettre parce que je voulais rajouter un bout de Redis dans le comment? Dans l'histoire. Et derrière, voilà. Donc l'idée, ce sera, on pourra avoir du Redis en mode cluster, enfin du Redis, du Valky en mode cluster, pour voir comment il réagit quand on pète un pod, d'aussi avoir plusieurs ghosts en front pour en péter quand il y a besoin, enfin montrer comment faire en sorte que l'application reste debout quand on décide de la péter. Plus tard. Et du coup, c'était quoi ça? Donc ça c'est l'installation. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que là, on n'a pas juste de... Il met juste adapteur Redis, TTL, machin. Et on n'a pas plus de valeur que... Y a pas d'accord, pourquoi pas? Ça, c'est si on veut faire un adapteur, mais on s'en fout. Depuis le temps que je voulais passer de voir un coup. Oh, bah, pourtant. Bon, ah. Après, je sais pas si. Parce que là, il est quoi? Il est 22h, mais tu stream pas, toi, d'habitude, le vendredi soir aussi? Ça se trouve, en fait, on est. J'ai choisi le vendredi soir, mais je crois que c'est. Parce que c'est le seul moment dans la semaine où je peux me dire que j'ai pas de stress à me lever le lendemain matin. Mais vendredi soir, il y a déjà pas mal de monde qui se balade. Du coup, mais c'est quoi cette histoire-là? Adapteur, cache adapteur. Je peux pas. J'ai pas plus que. Jeudi, dimanche et le mercredi. Ouais, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu avais décidé de switcher, parce que je sais que tu faisais les deux séparations qui sont encore plus nécessaires, parce qu'avec avec les nouvelles réglementations, avec les nouvelles règles liées au spécial, bah spécial pour les DJ, j'ai vu ça sur Twitch. Encore la magie des mafias du droit d'auteur. T'es obligé de toute façon de garder la séparation. Mais au final, c'est parce que tu t'as toujours pas récupéré la monétisation sur YouTube, je me souviens plus. J'ai lu, mais ça devait être en fin de journée et j'ai pas resuivi. Et du coup, le fait de passer du stream YouTube du mercredi à Twitch, il me semble que c'était. Après les galères que tu as eues par rapport au truc qui était legit, j'ai encore une débilité de plus de la part de YouTube, histoire d'être bien. Hein, mais.
On est prélevé pour la partie DJ un peu plus. Oui, bah, mais voilà, comme d'habitude, hein, il ne s'agirait pas que tu sois capable de... Hein. J'ai récupéré la chaîne, on va pas mettre les œufs dans le même panier. Bah, c'est-à-dire que du coup, tu les mets dans le panier de Twitch au lieu du panier de YouTube. Alors que pour la partie streaming, j'avoue. C'est vrai que derrière, toutes les vidéos que tu peux faire en mode tuto, investigation, etc., qui sont pas mal, ça, effectivement, oui, ça reste... vidéo, YouTube, live, Twitch. T'as pas tenté un multistream avec TikTok ou c'est quoi le... C'est Kick, non? C'est pas ça le truc à un moment donné où... Le bordel qui est adossé à des trucs de jeux d'argent, là, qui fait un peu peur. Ouais, non, c'est... En fait, ça reste debout que parce que ça gagne de l'argent avec les contenus, hein, mais... Ouais, d'accord. Ok, on s'en fout un petit peu. NFT, non, certainement pas. Ouais. Ouais, non, je... En fait, moi, j'ai tenté une première... Enfin, au début, j'ai tenté les lives YouTube. Avant de me décider à passer sur Twitch. J'avais fait plein de tests le samedi, ça marchait très bien, c'était nickel, je streamais en H265, la qualité était tip-top. Et j'ai testé un stream le vendredi, enfin j'ai tenu trois streams le vendredi soir. Et en fait, il y avait beaucoup trop de pertes réseau, et du coup j'ai lâché l'affaire. Et avec Twitch, j'ai aucun problème au niveau réseau. J'ai des problèmes, mais là en ce moment c'est des problèmes avec mon... Twitch est quand même plus adapté pour ça. Ouais, alors après, moi, ce qui m'emmerdait avec Twitch, déjà du fait de devoir créer un compte, que j'avais pas encore, c'était surtout de... comment ? C'est de revenir à une qualité. Alors certes, pour faire du bureau, bon, c'est pas très grave, le H264, mais on n'est plus en 2013, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on a vu au moins deux codecs arriver plus performants et plus quali pour faire le boulot. Et en plus, on a le matériel pour pouvoir l'utiliser. Et ça commence seulement à arriver chez les gros streamers ou chez ceux qui ont la chance de pouvoir être... c'est quoi, c'est partner ou je sais plus si... Je crois qu'il faut être partner encore pour l'instant pour le... Enhanced streaming, entre guillemets, là. Ou en gros, maintenant, c'est à toi de gérer toutes les qualités que tu veux streamer. En gros, ils font plus d'encodage... Histoire de plus dépenser d'argent en infrastructure, c'est à toi de faire tout le boulot. C'est un bonheur, ça. Tiens. Et en plus, pour l'instant, il faut avoir une carte graphique Nvidia. Si t'es chez AMD, tu l'as dans le cul. C'est quoi ça? Ça, on s'en fout. Non, mais vraiment, ce qui m'emmerde, c'est la configuration du cache, là. Le cache adapteur. Oui, non mais ça c'est la doc de... Ok. J'ai pas la référence de la conf, ça me saoule. Affilié, t'as aussi. Ouais, bah déjà... Ouais, mais du coup, c'est... Tant mieux, mais pour l'instant, voilà, c'est toujours pas possible. Donc l'avantage, c'est que YouTube proposait déjà H265, ils ont rajouté la V1, il y a 3-4 mois déjà, maintenant. Et ça aurait permis d'avoir, pour la même qualité, beaucoup moins de débit. Ou une bien meilleure qualité, ça c'est plus intéressant pour les joueurs, ou même toi, quand tu fais tes parties DJ, pour être honnête, j'en ai jamais regardé, mais du coup je vois pas la qualité de ce que tu mets visuellement en plus de la musique. Mais ça permet d'avoir moins une bouillie de pixels quand tu bouges beaucoup, quoi.
C'est vrai que là, bon, vu que je joue pas, c'est pas. Bon, elle m'emmerde cette doc. Elle m'emmerde parce qu'elle n'est pas assez détaillée comme il faut. Comment je peux. C'est quoi l'admin API? JSON format, pagination, non, paramètres, bon, ça c'est le truc global, authentification, les permissions. Et après on a les trucs pour les postes, mais rien de. Okay. Bon, je sens qu'il va falloir que je creuse encore, mais j'ai un million de trucs à faire ce week-end déjà, je vais pas avoir le temps de creuser. Ah, puis on va pas reprendre la semaine prochaine en faisant 2 heures de lecture de doc. Peut-être pas déconner non plus. J'ai les yeux qui commencent à piquer en plus. Oh, développeur FAQ, machin, clustering, sharding, non. Ah. Ça dit que ça supporte pas le load balancing. C'est dommage ça. C'est dommage, c'est pile poil ce qu'on voulait faire pourtant. Fait chier. Décidément. J'ai l'art de choisir mes applications. Hein. Ça me rappelle le. Bon, là, je découvre ça au bout de 2 heures en plus, mais ça me rappelle le live que j'avais voulu faire sur GoDNS pour faire du DNS dynamique chez OVH. Ah, ça s'était pas bien passé parce qu'au bout de 20 minutes, on avait découvert que ça supportait pas OVH. Et que ça avait été un peu la galère pour trouver une solution, et on avait réussi à bricoler un truc à base de Kubernetes et de cronjob Kubernetes. Je sais plus si je l'avais partagé sur GitHub d'ailleurs, tiens. Est-ce que j'avais fait. Non, mes repositories sont où? Sérieux, hein? Je fasse mes propres trucs. Non, j'ai rien d'autre. Si, c'est celui-là. Ouais, voilà. Ah, j'en avais fait un chart, sérieux? Chart Helm. Ok. Je m'étais fait le chrono. Je m'étais un peu arraché quand même. Avec le curl vers OVH. La source, le domaine. Ok. J'ai fait le README. J'ai fait le README. En mettant les credentials, le namespace, le domaine. Putain. On avait bien terminé ce jour-là. Hein. Ça s'était mal barré. Bon, c'est pas très grave. En vrai, je pense que de toute façon, c'est surtout quand on fait un. Quand on est en tant qu'utilisateur, où il gueule sur le fait qu'il supporte pas le multiserveur. Bon, on testera pour la blague. Sinon, je repartirai sur autre chose. J'en ai ras-le-bol de perdre des trucs comme ça. Mais ouais, par contre, cette doc là. Sans parler de Valky. Bon, Valky, lui, pour le déployer, ça va être. Alors non, c'est pas de. On a les images Docker Hub. On a les artefacts binaires. On a les packages pour Fedora. Ah putain, déjà. Et dans Epel. Ok. Oh là, la doc, elle est particulière. Hein.
Ouais, ça c'est les commandes. Ça j'ai déjà eu à bricoler 2-3 trucs. Peut-être pas trop la CL, mais. Ah là là, bon. Alors, soit il y a un chart Helm. Alors, Bitnami. Un chart Helm et Valky explique qu'il faut utiliser le chart Midnami. Ok, ouais. Pourquoi pas. Eux, ils le font comme ça. En mettant directement OCI registry, ok. Et si je veux le déclarer en tant que... Allez, si vraiment on veut aller au moins se paver l'installation rapidement. Parce que si je prends juste l'image, j'avais fait quoi? En vrai, j'ai pas besoin d'un million d'instances. Le problème, c'est que si on veut utiliser en mode cluster, c'est une autre paire de manches. Mais... D'où le fait d'utiliser le chart Helm. Là 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 là. Je suis complètement claqué là. Il va falloir que j'arrête. Je pars dans tous les sens. C'est pas bon, c'est pas bon. Ce qui m'emmerde, c'est que je voulais le déclarer en tant que dépendance. Mais je sais pas si en tant que dépendance, je peux le déclarer avec le OCI de point. Bon, ouais, alors, du coup, je vais noter ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à faire ça. Avec la BDD, il va nous manquer, du coup, la partie Redis. Alors non. Faire de la tech le soir, c'est chaud et encore plus à lire de l'anglais. Ah, en vrai, l'anglais me pose absolument aucun problème de ce côté-là. J'ai vraiment pas de difficulté à lire de l'anglais. C'est juste que... Non, c'est juste que là, je suis mentalement, je suis un peu. Alors déjà, bon, matrixé par le fait que c'est la première fois que je vois un déploiement avec une URL OCI sur Helm, donc du coup, je suis un peu décontenancé. Donc il faut que je regarde dans quelle mesure je peux m'en servir en tant que dépendance, parce que là, je parlais de chart Helm, mais normalement, tu déclares là-dedans. Et est-ce que en repository, on peut mettre ici l'URL OCI de point slash slash à la place de HTTPS chart machin. Ça, Joker. Ça se testera. Et puis, bah, du coup, comme je connais pas le chart, il va falloir que je passe dans toutes les... Dans les variables, en fait. Dans les variables pour... comment? Du chart, il va falloir que je me pave le...
le values par défaut là. Où il y a quelques valeurs. Quelques. Pourquoi il est à 133? Enfin, il n'est pas à 133 lui. Hein? Où il y a quelques valeurs à paramétrer. Pour ensuite se dire ok, je l'intègre en déploiement. Pourquoi? Parce que typiquement, je pourrais en partant, c'est ce que j'ai fait pour Ghost, hein, c'est que je suis parti de la documentation de l'image Docker pour faire mon propre chart. Le problème, c'est que là, si je veux pouvoir déployer, j'ai perdu la doc. Si je veux pouvoir déployer Valky en tant que cluster Redis, bah, il va falloir que je peux pas juste partir de la documentation de l'image Docker, parce que la doc de l'image Docker, elle va expliquer comment utiliser l'image Docker toute seule, et pas en tant que cluster. Ça demande beaucoup plus de travail, et je sais que bah, Bitnami, typiquement dans l'univers Kubernetes, ils font énormément de boulot sur ce genre de choses. Mais... fait est que là, arrivé à 23h20, le cerveau n'arrive plus à suivre pour avancer plus que ça, quoi. Mais non, honnêtement, l'anglais, pour le coup, me pose absolument aucun problème. De ce côté-là, depuis que j'ai l'âge de... Allez, si je suis honnête... Depuis l'âge de 16 ans, j'ai réellement aucun problème avec l'anglais. Et j'en ai d'avoir 42 à la fin de l'année. L'âge parfait. Donc non, de ce côté-là. Donc ouais, du coup, je sais pas. C'est surtout le fait de le faire le soir. C'est surtout le fait de le faire le soir. De le faire le vendredi soir, quand t'as pris toute la tête et toute la semaine dans les pattes, sachant qu'en plus, j'ai mal dormi toute la semaine. Donc, du coup, c'est... Je suis vraiment éclaté. Typiquement, je m'attendais... J'ai pas eu de gros problèmes particuliers. Je m'attendais... Je pensais aller plus vite pour gérer le... Pour créer le chart, le déployer, etc. Je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà 11h. Donc, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, je voulais rajouter le... Hop, pardon. C'était quoi? C'était ça. Oui, en fait, c'est plutôt de faire comme ça. Et on va remplacer ça pour la prochaine fois. Donc voilà, bon, pour un premier épisode, je suis allé beaucoup moins loin que ce que je pensais. Hein. Et en plus, j'ai même pas encore l'exposition, parce que là, si je fais pas un port forward, j'arrive pas à accéder au truc. Donc il va me rester encore le. Il va me rester le l'ingress à gérer. Et cette histoire de child, de chart enfant, entre guillemets, de dépendance, chart dépendance. Pour ensuite avoir vraiment la paix, en fait, tout simplement. Et en plus, il faut que je fasse 2-3 retouches sur des trucs un peu dégueux si je veux pouvoir ensuite partager la totalité de ce que j'aurais fait. Puisque l'idée, c'est de faire un dépôt. Là, typiquement, le dépôt, il s'appelle Chaos Engineering. On est dans le dossier Ghost Chaos pour déployer Ghost. Ensuite, on aura le dépôt avec les éléments spécifiques pour la partie monitoring. Je sais toujours pas en fonction de, je suis toujours pas fixé. J'ai mis OpenTelemetry Operator parce que j'ai vraiment envie de rentrer dans le sujet aussi. Pour d'autres raisons en plus qui permettront de faire une pierre deux coups. Et comme on a dit après, on a la partie test de montée en charge, donc il va falloir qu'on crée le scénario Gatling, qui sera pas foufou, hein, mais qui sera juste pour dire coucou, on se balade sur le site, et puis on fait, on affiche 2-3 articles, etc.
On essaye de regarder, on fait une petite recherche, ce genre de choses. Et après, ensuite, le boss final, c'est l'outil de chaos testing pour voir comment ça se met en place. Donc on a encore quelques épisodes pour là-dessus. Je ne sais pas si on va tous les faire à la suite. Là, j'ai changé d'avis au dernier moment parce que, en vrai, j'ai eu la flemme de... Comment ? J'ai eu la flemme de mettre le setup caméra en place, mais sinon, j'avais dit que j'étais censé, on était censé faire de l'Android parce que je veux essayer de m'amuser. Ceci est un OnePlus X. On n'a plus besoin de l'écran, donc je vais revenir là-dessus. Ceci est un OnePlus X qui date de 2016. Il m'a servi la dernière fois en 2019 en tant que téléphone secondaire quand je suis allé à l'île Maurice pour y mettre un abonnement mobile local. Et en fait, il est toujours resté bloqué sur Android 6. Et j'ai vu qu'il y avait des furieux qui avaient fait des builds non officiels de Lineage OS pour ce téléphone-là qui n'a jamais eu de mise à jour depuis... Bah en gros, depuis qu'il est sorti ou presque, hein, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu une nouvelle version d'Android à part Android 6, etc. Donc c'est un peu, ça commence à être un peu compliqué. Même si techniquement, Google vient seulement de mettre fin à Android 5. Voilà. Après, la batterie, elle est rincée, hein, donc c'est vraiment pas pour le... C'est plus pour l'expérience elle-même qu'autre chose. Parce que la dernière fois que j'ai touché au remplacement d'un système Android, c'était sur mon premier Galaxy S. Tu voudrais le faire avec une machine haute Windows ou Linux? Alors, vu que c'est pour le faire en stream, il y a de grandes chances que ce soit sous Windows. Dans la mesure où, a priori, ça va se faire seulement avec Fastboot, ça marcherait aussi sous Linux. Pour le coup, j'ai pas... Je sais que typiquement, à l'époque, sur le S2, je l'ai fait, c'était facile. Alors oui, mais il y a longtemps, sur jusqu'au Galaxy, je sais pas, le S10, je crois. C'est ça, ils sont passés de S... Attends, ils ont fait S7, S8, S9, S10, et après ils ont fait S20. Je sais qu'ils ont sauté directement, je crois, de S10 à S20. Comment ? Mais oui, mais moi j'ai un 2020, j'ai un 2020 Lite, enfin P20 Lite, que j'ai acheté en 2019, justement. Et en fait, le problème, c'est que là, pour le coup, le bootloader est verrouillé, et pour le déverrouiller, ben, en fait, Huawei a fermé le site dev, le site web pour développeurs qui permettait de le déverrouiller. Donc c'est beaucoup plus compliqué de réussir à faire sauter ce truc-là, du coup, sans Huawei, et donc sur celui-là, je vais même pas le tenter. Surtout qu'en fait, actuellement, le téléphone Huawei, en fait, il me sert de téléphone pro, entre guillemets, puisque mon employeur m'a pas fourni de téléphone, mais il me demande d'utiliser des applis de double authentification, etc. Du coup, je me sers de ce téléphone-là pour faire tout ça. Mais c'est vrai que oui, en fait, celui-là, je l'ai ressorti du tiroir, là, qui est juste au niveau du bureau... en fouillant, en cherchant une autre connerie. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a encore moyen d'en faire quelque chose? Et donc de montrer à peu près comment c'est censé se passer. Je sais absolument pas comment ça va se passer. Il y a... Vu comment je suis doué, il y a 8 chances sur 10 pour qu'on le brique. J'exclus pas non plus. Voilà. Et surtout, j'ai trouvé les outils, mais pas la doc, pour vraiment le faire. C'est-à-dire qu'il y a les forums XDA qui vous expliquent coucou, voilà les RAM, voilà les ROM téléchargés, enfin les ROM. Les images, téléchargez-les, et puis après, bah, pour les flasher, démerdez-vous. Le TWRP explique pas comment se flasher, enfin voilà, c'est un petit peu chelou comme histoire. Je sais pas encore trop comment arriver au bout du truc. Et c'est un crash test, hein. De toute façon, il sert plus, la batterie elle est rincée. Mais comme du coup je peux pas partager l'écran, faut que je fasse un setup où je le filme. Donc faudrait que je ressorte. Le problème c'est que le trépied il a été enfermé, il a été noyé sous une quantité de merde que j'ai balancé à côté du bureau, qu'il faut que je range. Et pour pouvoir utiliser mon téléphone portable en seconde caméra
À moins que... Ah, c'est vrai que maintenant que j'ai un dock USB sur le bureau, je peux peut-être rerouter la deuxième webcam pour servir de caméra plutôt que d'utiliser mon téléphone. Et elle est beaucoup plus légère, donc ça serait beaucoup moins la merde pour filmer en plus. Ah, il faudrait que je regarde un peu. Est-ce que je vais avoir le temps ce week-end? Non. Est-ce que je vais avoir le temps la semaine prochaine? Ouais, il y a bien un soir ou deux dans la semaine où je vais réussir à expérimenter le truc. Sachant que pour la blague, j'ai jamais branché deux webcams en même temps sur... Je sais pas comment ça se passait. Mais oui, voilà, donc l'idée, ça va être de redonner vie à un téléphone qui n'a jamais eu de l'amour de la part de son fabricant. Et sachant que c'est une manipulation qui est malheureusement encore beaucoup trop nécessaire dans le monde Android, parce qu'il y a peu de fabricants qui maintiennent leur téléphone longtemps. Ce qui est dingue, hein, parce que... Enfin, ce qui est pénible, même. Vraiment, dans la pratique, parce que autant... Vous achetez, alors ça va être un peu plus compliqué, mais jusqu'à maintenant, c'est on achète un ordinateur, même de case où on en récupère un. Enfin, même je me souviens, moi, d'avoir réussi à refabriquer un ordinateur qui marche à partir des cadavres de trois ordinateurs récupérés à la déchetterie. Et vous installez Windows, et vous avez un ordinateur qui est à jour en termes de logiciel. Alors certes, il est lent du cul, la batterie est peut-être secouée aussi, mais d'un point de vue logiciel, il est complètement à jour. Et en fait, ça n'existe pas sur téléphone. En tout cas, sur Android, c'est très très rare. Vous avez des applications qui vont être mises à jour pendant longtemps. Tant que les applications supportent la version d'Android que vous avez déployée. Mais le système d'exploitation lui-même... Mon cul. Le système d'exploitation, lui... C'est très très rare qu'il y ait 1, 2, 3. Il y a peut-être 1, 2, 3 ans, mais au bout de 3 ans, c'est fini. Et c'est con, parce que derrière, vous pouvez avoir toutes les mises à jour des applications que vous voulez. Hein. Vous mettez à jour des applications sur un système qui est pourri. Hein. Donc bon, à un moment donné, ça a ses limites. En termes de sécurité, ça a ses limites. Et c'est vraiment pas dingue. Et on parle même pas de... Plus, il ne s'agit même pas de se dire d'avoir de nouvelles versions d'Android, parce que de toute façon, à un moment donné, le matériel n'y suivra pas. Encore plus sur les téléphones portables que sur un PC. Mais là, pour le coup, le système lui-même, enfin même les mises à jour de sécurité sont pas suivies. À un moment donné, je crois que c'était Android 4, ils avaient fait... c'était 4.4. Je sais plus s'il y avait Android.org ou un truc comme ça, c'est pas ça? Android.com. Alors c'est pas acheter des téléphones, donc c'était la partie. Ça va être quoi? C'est si on regarde l'Android open source. Je sais plus s'il y avait le. Si on fait ça. Et en gros, voilà, au niveau de la base d'Android, le nombre de versions qui sont encore supportées. Je sais pas si. Je me souviens plus s'il y avait une... Non, ça c'est Pixel. Merde, je me souviens plus.
J'étais tombé sur un truc où en fait il y avait un tableau où il montrait les différentes versions d'Android qui étaient supportées. Et je l'ai jamais gardé celui-là. J'aurais dû le garder. Et ça fait chier. Il y en a un paquet. Ouais, il y en a un paquet. J'adore la traduction automatique. Attention. Bon, Android Wear, on sait que c'est pour la partie montre connectée. Et du coup, la traduction, c'est bulletin d'usure. Elle est pas magique, celle-là. Ça, c'est de la bonne traduction, ça. Moi, j'aime bien. Oh la vache. Oui, bah, en même temps, il y a du boulot. Hein. Pourtant, Google Translate, c'est quelque chose. Hein. C'est pas sur Wikipédia. Je sais pas si les contributeurs Wikipédia... Si je vais là-dessus. Et ça. Ouais, runtime, machin, historique, les crises. Ouais, mais voilà, non, mais c'est là, ça annonce. Fin de support. Tac, tac, tac. Ouais, on voit que même la base d'Android, des versions d'Android, elle n'est pas si élevée que ça. Hein. Donc effectivement, sur Android, ils ont. Enfin, sur Wikipédia, il y a une version. Mais ça a baissé parce que je me souviens avoir vu des mises à jour d'Android 4 pendant quasiment. Le 4.4 pendant. J'en ai vu encore en 2020, moi, sur la partie open source, donc c'est ça qui est bizarre. Il s'est sorti des correctifs de sécu pour, mais il s'est arrêté là. Mais oui, là, on voit qu'on se rend compte que... C'est quand même dingue, quoi. Les trucs se durent à peine 4 ans. Alors après, le problème de la... Enfin, la difficulté, c'est que de toute façon... En fait, c'est même pas... Même si c'était encore maintenu, entre guillemets, la base, la réalité, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne que si les fabricants de matos suivent. Le problème, c'est qu'encore plus dans le monde Android, dans le monde mobile que sur les PC, le matériel propriétaire avec des drivers closed source, c'est légion. Et comme il n'y a pas beaucoup de fabricants, c'est même encore pire. C'est-à-dire que les deux principaux fabricants, c'est un club de raclure, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé avec ce téléphone-là, c'est-à-dire que la proposition, c'était on prend une puce qui était relativement haut de gamme, mais 2 ans avant, et on vous sort un téléphone pas cher. Le fait est que je l'avais vraiment pas payé cher, j'avais dû le payer 200 ou 300 euros en 2016, avec de la puissance de haut de gamme, en fait. Techniquement parlant. Et sauf que bah Qualcomm a dit en fin d'année, la fin d'année où j'ai acheté le téléphone, il dit bah non, on fournira plus de pilote, démerdez-vous. Voilà. La puce avait à peine 2 ans, ils ont dit on fera plus de pilote. Elle va faire des mises à jour d'Android quand le fabricant refuse de faire des pilotes. Pas possible. Pas possible. Donc et avec le temps, et beaucoup trop de temps en fait, on peut avoir du reverse engineering et de la partie open source qui peut rentrer en ligne de compte.
C'est ce qui permet en partie de bricoler des versions non officielles de versions plus récentes d'Android. Après, derrière, bah, il faut pouvoir déverrouiller le truc, quoi. Faut pouvoir déverrouiller le truc. Et en vrai, là, moi, ce que j'avais trouvé, c'était quoi? Je cherchais... Alors, c'était pas forcément le 20, mais c'était le 18. Parce que j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec le 20. Et donc, du coup, c'est une version LineageOS 18. Et LineageOS 18, je ne sais plus... À quoi ça correspondait en termes de version d'Android? Tac tac tac. Ouais, donc en fait, dans la pratique, on aurait potentiellement carrément pu avoir. S'ils disent qu'il est le sunset, on a vu que ça, là, c'était... C'est Android 11. Donc en fait, voilà, il aurait pu passer d'Android 6 à Android 11, le téléphone. Si on y arrive, parce que ça, c'est pas garanti, mais enfin, on va pouvoir le faire passer. Mais même Android 11 va passer en fin de vie. C'est-à-dire que je vais installer un système en fin de vie sur un téléphone qui était déjà en fin de vie depuis le début. Donc même en essayant de rattraper le retard, on est toujours sur un truc en fin de vie. C'est quand même quelque chose d'assez croquignolesque. Et le fait est que c'est pareil, il y a de plus en plus de fabricants qui ont du mal à... Enfin, qui en plus verrouillent les téléphones, parce qu'on parlait de bootloader, mais... Celui-là, a priori, il ne l'était pas. Mais il y a énormément de téléphones où le bootloader, il est verrouillé, et pour le déverrouiller, c'est une catastrophe. Hein. Donc, on va voir. Donc ouais, je... Voilà, donc soit je verrai, soit j'arrive à faire le setup vidéo et la semaine prochaine on fera un petit créneau par Android, soit on continuera mon histoire de chart. J'étais sur ma caméra depuis tout à l'heure et j'avais pas repartagé le bureau, donc je faisais n'importe quoi. Je suis désolé, vraiment il faut que j'aille coucher, il faut que j'aille me coucher. J'ai pas loin à aller, hein. C'est-à-dire que j'éteins tout et je saute là. Je saute là, le lit est là. Voilà. Donc. Donc. Ça va dormir très vite. Alors, j'en sais rien, parce que vu comment je dors en ce moment, comme je dis, j'aimerais pouvoir dormir bien. Et c'est compliqué. C'est très compliqué, mais. Je. Voilà. Donc je disais, le replay, bah comme d'hab, ce sera, si tout se passe bien, demain, comme d'habitude, en fonction du sens du vent et de l'âge du capitaine, puisque, comme d'habitude, les uploads sur YouTube, c'est soit je serai bridé à 5 mégabits seconde, soit ça va défiler à 240, et du coup, ce sera prêt à être publié en l'espace de 2 heures. Soit ce sera quand ce sera prêt, et ce sera peut-être dimanche, on verra. Ça dépendra. Fait est que j'ai quoi? Non, demain, j'ai juste un truc où il faut que je sorte demain après-midi, mais sinon, j'ai pas grand-chose à faire du oui. Enfin, j'ai pas grand-chose à faire en dehors de chez moi ce week-end. J'ai pas mal de rangements de linge, et puis voilà, tout le bordel, là, il faut que je déteste. J'ai plein de trucs, en fait, dans l'espèce de bordel que j'ai foutu à côté de mon bureau, et il faut vraiment que je détricote tout ça, il faut que je retrouve un chargeur, il faut que je retrouve des embouts de chargeur universel, il faut que je retrouve... faut que je range tout. En gros, voilà, il y a du rangement ce week-end. C'est le ménage de printemps, mais sachant qu'on approche de l'automne, voilà. On va dire ça comme ça. C'est mes latences habituelles.
en ce qui concerne le rangement. Voilà. Il faut qu'on le dise comme ça. Mais... Sur ce, merci beaucoup Adrien d'être passé. Bon, certes, en fin de live, du coup, j'ai fait 3/4 d'heure de plus. Mais comment c'était très, c'est très sympa. C'est quand mercredi prochain? Mercredi prochain, est-ce que je pourrais te rendre la politesse pour en passant sur Twitch du coup? bonne question. Ça dépendra principalement de la volonté de la RATP de me permettre de rentrer pas trop tard. Parce que mercredi prochain, je suis pas chez moi, donc on verra. C'est 20h, hein, je crois, hein, toi, hein, que tu démarres le soir. Pas 21h, je sais plus. 20h, ah oui, en plus. Ah oui, donc faut vraiment pas qu'il y ait de merde sur le RERB si je veux avoir une chance d'être à l'heure. Ouais, bah j'ai tendance à manger tôt aussi, mais là, il faut que je sois chez moi d'abord. Puis après, bah, je peux manger devant le live, c'est pas forcément un problème, mais... Mais oui, c'est... Non, j'ai tendance à manger tôt aussi quand je suis chez moi, après... On fait toujours 3 heures. Ouais, bah là, ça fait deux fois d'affilée où je fais quasiment 3 heures au lieu de deux. Mais c'est vrai que comme c'est le vendredi soir, je me permets parce que... J'ai pas... Voilà. Probablement du Raspberry Pi. Ah! Vas-y, profite, fais ta pub. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux faire sur la Raspberry Pi? Parce que bon, il y a plein de trucs à faire sur des Raspberry Pi. Moi, j'ai du Media Center, j'ai mon cluster Kubernetes, c'est des Raspberry Pi. Même s'il y en a un qui est mort sur les trois. Hop. Du coup, ah oui, d'accord. Okay. Hop là. Allez. Sur ce, bonne fin de soirée / bonne nuit. Ah bah je pourrais t'en parler. Je voudrais pas forcément parler de gros trucs à niveau, mais c'est ce que LibreLex, c'est ce que j'utilise depuis. Allez, vite fait. Je crois que j'avais commencé avec OpenELEC. Et j'en parlais en 2014. Voilà. J'en parlais en 2014, et quand je me suis installé en appart en 2016, j'étais passé sur LibreLec. Oui, alors 11 même, le blog il date de 2013 et j'ai raté les 10 ans. Je sais, je suis très mauvais, mais le blog il est en simili abandon, ça fait des... Bah ça fait plus de... Je crois que c'est pas compliqué, j'ai dépassé les 1 an de sans publication d'article, ouais voilà. Donc il faudrait que je me... Ouais, je sais, je suis très mauvais élève, Il y a 65 brouillons, hein. Je n'arrive pas à en terminer un seul, c'est infernal, Et puis il y en a certains qui potentiellement... Enfin, là, je suis sûr que les 3/4 seraient plus pertinents, et les reprendre, ce serait compliqué. Il faut que je me mette un coup de pied au cul là-dessus, à un moment donné... J'ai un peu perdu le goût de l'écriture. Mais... Et comme entre-temps, bah du coup, depuis, je me suis lancé... mine de rien... le streaming, ça fait plus d'un an aussi. Hein. Bon, ça fait plus d'un an, le fait est que par contre, je le fais une fois par semaine et pas toutes les semaines. Bon, c'est une catastrophe là-dessus. J'ai une régularité d'une valve cardiaque d'un mec de 98 ans, là, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que je...
Et c'est toujours basé sur WordPress et j'ai envie de virer le WordPress et c'est pareil, rien que d'y penser, ça me décourage à fond. Mais il faudrait que je le vire parce que j'ai plus. Comme j'ai plus la fréquence de publication que j'avais avant, pour moi, il se justifie plus. Voilà. Bon, bah, il faut que j'y aille. Bon week-end, encore merci. Adrien, à mercredi, je vais essayer de passer mercredi quand même. Normalement, si je suis pas rentré à 23h, ça devrait aller. Ça dépendra de la RATP. Comment? Sinon, bah bon live. Hein. Et sinon, bonne journée, bonne soirée pour ceux qui regarderont en replay. Voilà, joue. On verra bien. Je sais même plus où sont les boutons là-dessus. Oui, c'est par là, c'est par ici, d'accord. Je me sers tellement plus pas souvent de mon stream deck, du coup. C'est infernal. Allez, sur ce, ciao, ciao!